Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve sur Far Cry 5. Et oui, le nouveau sur la chaîne. Et oui, Far Cry 5. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir. C'est le petit nouveau. C'est vrai que ça fait une semaine qu'il est sorti. J'ai pris un peu de temps, voilà, tout simplement parce que je vais vous expliquer dans la vidéo, tout simplement. Donc déjà, je l'ai commencé, je vais le commencer moi, pour un peu apprendre à jouer, tout ça, et je vous expliquerai après dans la vidéo pourquoi j'ai mis du temps, voilà, tout simplement parce qu'il était un peu moins cher où je voulais, et il n'y en avait plus, voilà, donc c'est pour ça. Et en tout cas, ça me fait plaisir de jouer à Far Cry 5 parce que j'ai fait tous les Far Cry, et personnellement, celui qui m'avait vraiment plu à l'époque, c'était le 3, parce que c'était avec Valt, je crois qu'il s'appelait en plus, le boss, si je bouffe pas son nom. Et déjà qui était assez taré ce mec là. Et voilà, et en tout cas le 5, vraiment il réserve du lourd de chez lourd. Et voilà, et j'espère en tout cas qu'on fera comme on faisait avant. Après pour faire des petites vidéos, vous savez, un peu furtif, tout ça. Vraiment voilà, il y a vraiment quoi de taper des délires. Allez c'est parti, let's go pour le gameplay. Et donc on se retrouve sur Far Cry les gars, le jeu. Donc j'ai un peu commencé un peu histoire de prendre le coup de main et tout et tout. Voilà. Et sur ce, en fait, ce que je voulais venir, en fait, c'était de faire un peu, tu savais, comme on fait sur Ghost Recon, du sniper furtif, des choses comme ça. Et je pense que le faire sur ce Far Cry 5, ce serait pas mal. Objectif de le platine, voilà. Donc, en tout cas, j'ai aussi réglé la difficulté du jeu parce que, tout simplement, le jeu, au début, était en difficile. Et tout simplement, était en moyen. Et bon, j'ai un peu galéré au début, c'est vrai. Donc là, je suis avec l'arc, donc j'ai pris l'arc. C'est vrai que c'est bon, c'est mieux que la petite mitraillette et tout. Donc tac, on va scanner un petit peu, on va faire un petit repérage, histoire de savoir où c'est que ça se déplace, où c'est que ça joue chez les ennemis. Et voilà, et j'espère en tout cas que la petite vidéo vous a plu. Alors, bien sûr, on est encore au début, mais quand on va arriver dans le jeu, je pense que le jeu sera bien. J'espère qu'il y aura des snipers silencieux, des choses comme ça, comme on avait dans le 4. Comme on avait sur le 4, voilà, j'espère en tout cas que... Alors, je sais pas s'il y a le système... C'est bon. On va attendre, on va retenir la flèche pour l'instant. Putain de merde. Il a vu le cadavre. Désolé les gars, j'étais concentré. Ah, il y en a, je l'avais pas scanné. Pas. Un autre de mort. Si on se la prend en discret, eh ben alors là, je suis balèze moi. Le mec va chercher là-bas. Voilà, sous ma bite, hein. Alors, t'as fait le mariole, hein. T'as vu comment j'étais victime, bâtard, moi. Ah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Dès le début déjà, on commence déjà à faire de la discrétion. Ça, j'aime ça, tu vois. Ça, j'aime bien. Bon, il y a l'autre qui va encore me parler. Bon, comme d'hab, ça change pas. Alors, on va essayer de récupérer quand même nos flèches aussi, parce que bon. Il m'en reste combien? Oh, bon, il m'en reste 11, ça va. Mais voilà, ah, ça fait plaisir en tout cas de faire du discret dès le début du jeu. Déjà, tu vois, tu commences comme ça, ça te met dans l'ambiance, ça te met bien, on va dire. Voilà, tu t'es pas fait cramer, t'as fait ça discrètement. Bon, ouais, certes, c'est plus long, voilà, que d'y aller comme un bourrin. Mais bon, le but du jeu, c'est aussi d'un côté, ben, jouer un peu, voilà, la discrétion. Parce que si tu vas toujours en mode bourrin, faut pas t'étonner si tu te fais victime. Bon, en tout cas, je sais que voilà, bon, par rapport à des expériences des amis qui sont passées, à ce qui paraît, donc les putains de dadons, apparemment ceux-là, c'est les pires dans ce jeu-là. Alors, quand vous avez joué à Far Cry 4 avec les putains de ratels, les ratels, ils vous faisaient la misère. Les ratels, je vous jure, je vous promets les gars, pour ceux qui ont connu Far Cry 4, et je me demande s'ils étaient pas dans Far Cry 3. Ah non, peut-être dans le 3, c'était les aigles. En tout cas, dans le 4, oh putain, les ratels, j'en pouvais vraiment plus. Il y avait que ça. Honnêtement, c'était les plus casse-couilles dans le jeu. Ils vous faisaient la bizarre. Déjà,
vous pouvez le tirer au lance-flamme, le machin il crève pas. Vous tirez avec avec une batteuse dessus, le machin, vous pouvez vider deux chargeurs de 200 balles de d'un coup. Le machin n'en avait rien à foutre, il crevait même pas. Donc voilà, donc apparemment dans celui-là ce serait les dindons. Apparemment ils sont assez assez pète couille et tout. Donc voilà, merci. Donc j'ai entendu ça par des expériences de potes. Par un mois des potes auraient voilà, auraient cramé le dindon lance-flamme, le machin ne prend pas et tout et tout. Voilà. Donc non ouais, c'est vrai que dans Far Cry, il y a toujours des bestioles qui sont casse-couilles à tuer. Et ça, voilà. Après, j'ai regardé un petit peu, sur Internet aussi pour voir un peu. Tu me l'as mis, toi, mon truc ou quoi? Voilà. J'ai regardé un peu aussi sur. Ouais, il y a un avant-poste. J'ai regardé un peu sur Internet et tout pour voir un peu comment le jeu était. Voilà. Mais si j'ai pris un peu de temps, c'est normal. Voilà, quand je vous ai expliqué au début de la vidéo, tout simplement, bah, voilà, je vais pas dire j'ai fait le crevard à l'acheter moins cher, mais je vois pas pourquoi dépenser. Je voulais pas dépenser 70 boules, tu vois. Alors que tu sais que d'un côté le jeu est moins cher. Alors je vais pas vous le cacher, je l'ai payé 50€, tu vois. Donc un peu 20€ moins cher de ce qui était prévu. Voilà. Voilà, je voulais pas non plus. Je vais pas faire le crevard. Je veux pas dire ouais, je voulais pas dépenser. Tu nous pas. Non, c'est pas ça. C'est que tout simplement en fait, ça me faisait chier de mettre 70 boules encore dans du jeu, voilà, en sachant aussi que vous avez pu le remarquer, s'il n'y a pas de problème et tout, j'ai un nouveau casque, donc j'ai racheté un casque, c'est pour ça en même temps j'ai fait un peu le crevard, on va dire entre guillemets, voilà, parce que si j'avais en prévu d'acheter un nouveau casque, alors c'est pas une super marque, je tiens à vous dire, personnellement en fait, cette fois-ci j'ai pas mis très cher, parce que tout simplement j'en ai marre d'acheter des casques, en fait j'ai l'impression que c'est comme les manettes, vous savez, les casques, j'ai toujours des problèmes et c'est pas le casque en lui-même, c'est vous savez la barre sur le côté où vous devez parler, qu'on pouvait parler, et bah tout simplement cette petite barre, c'est souvent cette barre là qui me pose problème, donc ça doit être l'avant-poste, donc on va essayer de se la jouer discrètement. Bon, je pense que le premier avant-poste, tu dois. Oh les bâtards, ils sont en train de victime un otage. Voilà, je pense que le premier avant-poste, il doit pas être non plus the ouf. Ah, par contre, ce qui est dommage, ce que je trouve dommage par rapport à l'autre Far Cry, ce que j'aime bien dans l'autre Far Cry, c'est que tu gagnais, tu sais, des points. Alors, ceux-là. Boum! Boum! Sans se faire cramer, mon pote discrétion! Mon pote discrétion! Ça, c'est pas joli, ça! Regarde, suce-moi la bite! Eh oui, mon pote! On arrive, on vient à peine d'avoir le jeu, on fait déjà de la discrétion, les gars! Ouais! Ça c'est beau, j'aime ça, tu vois. Pop. Ah, je suis content. Ah, bah, donne-moi 1000$, oui, t'as raison, oui. Ah, je suis content de moi, vraiment. Génial, ah, je suis super content. De discrétion, alors qu'on vient d'avoir le jeu quand même. T'en as, ça se trouve, ils sont déjà fait repérer. Mais bon, c'est sympa, moi j'aime bien. Là, honnêtement, je suis content. Bon, l'autre il va encore me parler. Ah, oui, c'est vrai que j'avais mon clébard dessus. Enfin, je l'appelle clébard parce qu'en fait, il avait fait que dessus. Voilà. Parler un peu de radio. Ouais, ça me fait vraiment plaisir, putain. Deux avant-postes. Ah, par contre, ils m'ont barbé mes flèches, par contre. Ça, par contre, ça fait moins plaisir. Mais en tout cas, ouais, ça me fait plaisir parce que. Bonjour. Tu pourrais me dire merci quand même, je t'ai libéré. En tout cas, ouais, ça me fait vraiment plaisir parce que vraiment, deux fois qu'on prend et deux fois on fait quand même de la discrétion. Voilà, je pense que sur ce, les gars, on va se laisser sur cette petite vidéo. Voilà, je vais pas vous en donner plus. Je vais encore jouer un peu, avoir des armes et tout. Et je vous refais des vidéos sur ce jeu Far Cry, voilà. Et je tiens à dire aussi que vous inquiétez pas, normalement demain, vous aurez aussi la vidéo de Need for Speed, vous savez, de la voiture, parce que c'est vrai que normalement, il faut la sortir le mercredi ou le mardi, parce que c'est souvent là où il y a l'event. Voilà, mais vous inquiétez pas, je vous la mettrai. Je sais pas encore ce que c'est comme voiture, je ne l'ai pas fait, donc je le ferai demain si j'ai le temps. Voilà, j'irai sur Need for Speed, j'irai vous chercher la voiture. Mais si, voilà, si personnellement, comme je vous disais au début du jeu, enfin au début, sur la dernière vidéo, voilà, si vous avez déjà vu toutes mes vidéos, les spawns sont exactement tous les mêmes. Hein. Vous regarderez toutes les vidéos de tous les spawns que j'ai fait voir. Et voilà, s'il n'est pas ce spawn là, vous aurez dans d'autres spawns et vous aurez tout simplement le fameux
la fameuse voiture, voilà. En tout cas, sur ce, j'espère que la petite vidéo de Far Cry 5 vous a plu. Je vous dis ciao tout le monde.